Salut les Goons, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler des rumeurs mercato. Honnêtement, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que vous allez apprendre des choses pour ceux qui n'ont pas été au courant des dernières nouvelles aujourd'hui. Voilà, j'espère que la notification, pour ceux qui l'ont, avec la cloche de notification, va vous plaire. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très 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 plaisir les gars. Et on va démarrer directement avec les pistes défensives. Donc Umtiti, ça continue à prendre de l'ampleur dans les médias. Et notamment dans les médias lyonnais où ça commence à l'info commence à voilà à grimper et il devrait venir normalement Umtiti. Donc du coup moi qui étais contre ben franchement c'est dur de dire non quand même à Umtiti parce que voilà il est de Lyon, il a formé à Lyon et s'il a tellement envie de revenir, moi je préfère des joueurs qui ont vraiment envie de revenir, remettre Lyon en Ligue des Champions. Si on n'arrive pas l'année prochaine, ça va être dur parce qu'on passera vraiment pour des blaireaux parce que il y a 4 places qualificatives, en tout cas 3 peut-être. Non, je crois que même que le 4ème est directement d'office, il me semble. Ou alors il passera par les barrages. Mais t'as 4 places pour aller en Ligue des Champions. Si t'arrives pas à être dans les 4 prochains l'année prochaine, waouh, ça risque de piquer. Donc si on prend Titi, bah tant pis les gars. Moi, vous savez que c'est pas mon choix favori. Mais voilà, s'il fait des bonnes perfs, ben on dira tous, ah bon, on avait tort, etc. Sachant qu'il fait une très très bonne deuxième partie de saison avec Lecce, même. Depuis 25 matchs, j'ai vu que c'était 25 matchs qu'il a fait avec Lecce et il est vraiment adoré en Serie A. Il y a même des gros clubs qui sont mis sur lui, je crois notamment le Rome et l'Inter, je crois. Donc s'il veut revenir à Lyon et qu'il reste dans cette mentalité, cet état d'esprit et ses bonnes performances, on va pas cracher sur 4 millions d'euros, les gars. Je pense qu'on va directement les poser. Après, le problème, moi, c'est que c'est au niveau du salaire. J'espère qu'il ne demandera pas un salaire énorme. C'est le seul truc que je demande. Parce que s'il demande un salaire énorme, c'est que directement, je vous le dis, je vais vous donner ma version des faits, c'est que Doucouré va partir. S'il vient avec un bon salaire, un salaire vraiment costaud, Umtiti, c'est que le départ de Doucouré est déjà prêt. Il reste peut-être plus que le montant et peut-être le bon club. Mais c'est que Lyon a déjà coché le départ de Doucouré. Pourtant, il a que 20 ans. Mais si Umtiti vient, il viendra pas, à mon avis, pour être sur le banc. Peut-être que Lovren glissera sur le banc vu son âge. Et justement, ça me permet d'entrer ce joueur-là, ce Croate encore, un nouveau Croate, Josip Šutalo, j'espère que ça se prononce comme ça, 1m90, Lyon le suit, c'est sorti je crois depuis un ou deux jours, je crois que c'était même une piste de, en tout cas voilà, de chez Roux, on va dire, voilà, c'était sorti parce que il y avait ce nom-là qui était sorti, je crois que c'était Sacha Tavolieri, le journaliste belge, qui avait donné le nom-là, que Lyon le suivait, en tout cas Bruno Chéroux. Je vois que c'est un joueur vraiment que le Dynamo Zagreb fait vraiment énormément jouer en Ligue des Champions. Il est titulaire tout le temps. Il y a notamment un match où il a été élu homme du match, c'est contre Salzbourg. Je crois qu'ils étaient dans la même poule. En championnat, il joue quasiment tous les matchs. Il a mis 2 buts. Pour un défenseur, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas non plus stratosphérique comme Ramos à l'époque où il mettait 5-6 buts par saison. Mais voilà, c'est un joueur prometteur. Il vaut dans les 18 millions d'euros. Et s'il vaut 18 millions d'euros et qu'on s'intéresse à lui, on s'intéresse à Umtiti. C'est qu'il y aura de la rentrée d'argent et peut-être même de la grosse rentrée d'argent. Donc on peut se douter que Doucouré, ça va être dur de le retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Je sais que beaucoup vont être déçus que je dise ça, mais à mon avis, il y a quelque chose qui se trame, les gars. Honnêtement, si on s'intéresse à deux défenseurs centraux, on sait qu'il y a le départ de Boateng. En poste, il reste que Diomandé, il reste Lovren et Doucouré. Si on s'intéresse à deux défenseurs centraux, il y a quelqu'un qui va partir. Moi, je préfère que ce soit Diomandé et. Et Boateng c'est sûr, mais je préfère que ce soit demandé qu'on garde Doucouré, qu'on mette Umtiti peut-être en 3, Lovren peut-être en 4, et on fasse venir Šutalo. Ou alors on fait pas venir Šutalo, on garde la paire Lovren-Doucouré, on prend peut-être un autre défenseur un peu bas de gamme, ou un peu moins fort, on va dire. Par exemple, un Djiku, voilà, qui est gratuit, qu'on met en numéro 3, et voilà. Et après on met. Ou numéro 3 Umtiti, numéro 4 Djiku, voilà, c'est des suppositions, mais si on veut remonter un gros club, il nous faut des bons joueurs, même en numéro 3, numéro 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous laisse débattre pour les défenseurs dans les commentaires. Poursuivre la vidéo pour rapidement la terminer, voilà, pour pas passer non plus de 10 ans. Fèvre, c'est prévu qu'il parte, en tout cas dans les projets pour les 130 millions d'euros. Vous avez vu l'information depuis plusieurs temps. Normalement, dans les 130 millions, il y a la vente des deux OL féminins, OL féminin et OL Reine. Donc ça vaut à peu près 100 millions d'euros tout ça. Plus Gusto, normalement, devrait intervenir dans les 30 millions restants. Mais on prévoit même de vendre Fèvre, qui finit en boulet de canon à Lorient. Donc si on peut le vendre dans les 20 millions d'euros. Moi je dis pas non parce que je pense qu'à Lyon il ne s'imposera jamais. Je l'ai dit donc pour moi, je vous le dis direct, dans mon mercato idéal, moi il est déjà sur la pente des départs. Voilà, il est dans la case départ. Donc voilà, si on le vend, moi il n'y a pas de problème. Dembélé, je rappelle rapidement, voilà, je vous place direct. Il devrait partir ou à Everton ou dans un autre club anglais. Voilà, pour lui ça va être la première ligue, hein, je suis quasiment sûr. De toute façon, les clubs ne parlent que de lui. En tout cas, les clubs associés à Dembélé, c'est qu'en première ligue. Donc voilà, c'est officiel depuis ce matin, je crois, ou cet après-midi.
Il part officiellement de Lyon, donc il ne se prolongera pas. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc lui, ça va être la première ligue. Bon voyage à toi. Merci pour les buts. Mais la fin avec Lyon, voilà, ça n'était pas. J'aurais préféré que tu partes au début d'année, hein, en vrai. Hein. Tu nous aurais rapporté au moins, je sais pas, une dizaine de millions d'euros, mais bon. C'est toi qui vois. Moussa, mais en tout cas, merci pour les buts. Je vais garder Florentino Luis pour la fin. On va parler d'Abi Keita. C'est une info vraiment que j'ai sorti, que je vous donne, que je viens de voir juste avant de commencer la vidéo, les gars. C'est Nabil Djellit, pour ceux qui connaissent, notamment sur l'équipe 21, qui a dit que Clermont est déçu. Il n'a pas précisé pour un transfert sec ou un prêt. Sachant qu'il est en contrat jusqu'en 2025, ça pourrait être un prêt d'un an. C'est possible. Sachant qu'à Lyon, il n'a pas performé. À Courtrai, il a mis deux passes D en 18 matchs. Il joue aussi pas mal les coupes. En tout cas, les coupes belges, etc. Moi, honnêtement, ce serait mieux de l'envoyer en prêt ou de le vendre. Hein, parce qu'à Lyon, je pense qu'il ne s'imposera jamais. Donc voilà pour les infos pour Habib Keïta. Et on va terminer par Florentino Luis. Voilà, un joueur qui est passé par Monaco. Je m'en suis souvenu quand on m'a rappelé le nom, qui a totalement raté son passage à Monaco pour moi. La preuve, parce que ça m'a juste rappelé vaguement un souvenir. À Monaco, il est vite vite parti, je crois qu'il est venu en prêt, je crois, et ça s'est vraiment mal passé. À Benfica, il a repris du poil de la bête. Il a mis quelques passes D, quelques buts. Mais il vaudrait dans les 20 millions d'euros, et pour vraiment l'acquérir, ça sera dans les 40 millions. Donc ça va être très très dur, même voire impossible. Donc voilà la rumeur qui est tombée ce matin. En même temps que Umtiti pour l'arrivée d'Umtiti. Pour moi, Florentino Luis, autant lâcher l'affaire, abandonner la piste et plus se concentrer sur Al Mousrati, pardon, ou plutôt un Skiri qui est totalement gratuit. Il veut venir à Lyon, il y a eu des preuves, etc. En tout cas, des messages. Ou vous essayez de convaincre Skiri ou Al Mousrati, mais Florentino Luis, ça a été un flop. Il s'est relancé chez lui au Portugal. Est-ce qu'il va se relancer à Lyon ou continuer sa performance à Lyon? Ça va être dur et ce serait vraiment prendre un énorme risque de le placer dans l'équipe. Pour moi. Hein. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. J'attends votre avis dans les commentaires. Ciao les gars.